بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Encore une fois, marhaba bikoum fla la nouvelle session hadi ta la deuxième session séance la deuxième session. Donc marhaba bikoum, je vous souhaite la bienvenue encore une fois content d'être parmi vous. Donc avant de commencer notre thème les jeunes, dans ce cas d'abord je tiens à présenter nos condoléances en nom de tous les arbitres et OTM concernant le décès de la mère de notre collègue et ami Jamel, c'est le trésorier de la Fédération Jeune de Basketball, et notre ami aussi collègue Mouna, qui a perdu aussi sa mère, Berhma Berhmatillah, Goulouma Berhma, Mouna Lillay, wa Ina Ilay Rajiwan. Ou Monsieur Chani Kantar Bouchifa, nos camarades et nos amis qui sont là toujours à l'état d'exemple, au Krimi, Berhma Berhmatillah, le doyen de la table de marque, Berhma Berhma, Bichfe, Inch'Allah, pardon. نطلبوا الشفاء من الله سبحانه وتعالى كل مرضى نراهم المرضى المسلمين. دونك جماعه دونك نوتر تيم اليوم ان شاء الله سي لي دو دانيير مينوت لا رونكونتر سيت ا دي كون فا بارلي سو لي اسبي لا او لو ريغلمون ا بارلي سو لي دو دانيير مينوت تو سامبلمون باسكو سي لو سي لي دو دانيير مينوت دون رونكونتر سي كومون دي انا سي لا كلي دون رونكونتر سي لو لا 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 لو مومون او تو لو موند دوات اتر كونسونتري تو لو موند سيت ا دي دوات اتر ا نيفو de la rencontre, que ce soit psychologiquement et physiquement, que ce soit au niveau des joueurs, des entraîneurs et aussi celle des arbitres. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va étudier. D'abord, j'ai fait une petite introduction. Donc, la remise en jeu dans les deux dernières minutes, le temps mort dans les deux dernières minutes, le remplacement dans les deux dernières minutes, les 24 secondes et les deux dernières minutes, la faute antisportive et les deux dernières minutes, le critère 5, le chronomètre et les deux dernières minutes, le crew shift et les deux dernières minutes concernant l'ARS et la mécanique d'arbitrage à trois protocoles dans les deux dernières minutes. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va étudier Lyon? Donc, notre sujet, il porte sur les deux dernières minutes plus que les autres, telles que la remise, le temps mort, le calendrier sportif, etc. Alors, donc là, actuellement au basketball, les deux dernières minutes sont des moments chauds. C'est-à-dire que chaque possession compte pour les équipes, chaque possession compte. Le moindre faux pas des deux équipes peut être fatal, c'est-à-dire qu'un mauvais choix, une mauvaise décision, c'est-à-dire qu'elle peut faire perdre une équipe. Ou l'inverse, un bon choix, une bonne décision, elle peut faire gagner une équipe. Donc, et l'aspect tactique est primordial aux deux équipes. L'aspect tactique, les deux dernières minutes, est primordial. Si tout le jeu, le score est tabou, c'est ce qu'on appelle ici, les Français, le money time, telle que l'utilisation de tous les temps morts restants, c'est des temps morts, ou bien aussi le choix des changements. OK? Aussi pour les arbitres, les deux dernières minutes de la rencontre sont des moments clés. C'est-à-dire que les arbitres aussi, ils sont aussi plus tendus et attentifs que les joueurs, que les entraîneurs. C'est la même chose. Ils doivent être, c'est-à-dire que moi, ils sont tendus et attentifs pour la rencontre. Mais à genoux, ils doivent être plus concentrés. Voilà. Pour l'application des règles prévues spécialement dans ces deux dernières minutes, parce qu'il y a des règles spécifiques dans les deux dernières minutes où on doit les maîtriser, que ce soit au niveau de l'État, les arbitres, etc., ou bien ceux de la table de marque, le chronomètreur plus l'opérateur des 24. Attention, il y a des moments où c'est eux qui interviennent sans l'autorisation de l'arbitre. Dans ce cas-ci, les deux moments avant, on doit être aussi très concentré, mais je m'attrape nationalement contre les jeunes. OK, si tout si le score est tabac, il y a des points de règlement spécifiques concernant les deux dernières minutes à dos, on doit faire très, très attention. Donc, c'est pour cela le contrôle de leur émotion, c'est-à-dire que les arbitres sur le plan mental et physique, et le mettre en mot pour la bonne gestion de la fin de la rencontre dans ces moments-là. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a parlé déjà du physique. Vers la fin, je m'en doit être prêt mentalement et physiquement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas lâcher. Au contraire, on doit doubler de vigilance. Les moments parce qu'une décision peut basculer le match. Une mauvaise décision peut entraîner aussi des dégâts. Donc la concentration va se doubler, la communication entre les arbitres va se doubler. Dans ce cas, que ce soit psychologiquement ou physiquement, l'arbitre est toujours prêt. Parce qu'Allah, il va prendre des décisions, bien sûr, des décisions suivant la réglementation. Il n'a pas inventé ou la réglementation appliquée, mais si par malheur, une mauvaise interprétation d'un article concernant le dernier milieu d'année, peut chambouler, peut basculer le match d'un autre comme de l'autre côté. Dans ce cas, les jeunes, les deux dernières minutes à l'heure, on doit être plus concentrés encore. Très bien. Donc, la remise en jeu.
Alors, lorsqu'on met du jeu indique 2 minutes, au moins dans le quatrième carton ou d'une prolongation, et qu'un temps mort est accordé à l'équipe bénéficiant de la possession du ballon en zone arrière, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un temps mort, les 2 dernières minutes, et que cette équipe, Pierre demande du temps mort, elle va bénéficier d'une remise en jeu de la zone arrière. Cet entraîneur de cette équipe, il a le droit de décider si le jeu doit reprendre par une remise en jeu, soit depuis la ligne de remise en jeu de la zone avant de son équipe. Il a le choix de faire la remise en jeu, que ce soit en zone avant de son équipe, ou bien depuis la ligne de touche de la zone arrière de son équipe. C'est-à-dire qu'au moins, les 2 dernières minutes, si un temps mort qui a été accordé à une équipe A ou l'équipe B, cet entraîneur, il peut demander, il a le choix de faire sa remise en jeu, que ce soit au niveau de la zone avant, la zone de remise en jeu de la zone avant, prolongement de la ligne des 3 points, ou bien le point, là où la balle a été arrêtée, où elle a été stoppée par un coup de sifflet, la remise en jeu de la zone arrière. Ça, tout le monde le connaît. Alors, après que l'entraîneur ait pris cette décision, celle-ci est définitive et irrévocable. C'est-à-dire qu'une fois que l'entraîneur il a pris une décision de prendre la balle, que ce soit en zone avant ou bien en zone arrière, cette décision est irrévocable. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de changer la décision. Okay, avoir communiqué au Khrouchtchev ou à l'arbitre le lieu de la remise en jeu. Okay, c'est-à-dire que cette décision elle n'est plus acceptée, elle est rejetée. C'est-à-dire que toute requête ultérieure, après que des temps morts supplémentaires ont été accordés, de la même période d'arrêt de chronomètre de jeu ne doit pas être acceptée. C'est-à-dire que l'équipe A a demandé un temps mort ou la balle à l'équipe A la zone arrière. Okay, supposons que vers la fin du temps mort, l'entraîneur a communiqué le lieu de la remise en jeu, supposons la zone avant. Juste après, l'équipe B a demandé un temps mort, elle a le droit de demander un temps mort. Comme vous le savez, elle a le droit de demander un temps mort. Après la fin du temps mort, elle a dit là, c'est ainsi que l'entraîneur de l'équipe A, il ne peut pas redemander que non, 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 je rectifie, je vais faire jouer la balle sur la zone arrière. Non. Tant qu'il a pris cette décision, classe, il n'a plus le droit de changer la décision. C'est pour ça qu'il doit vraiment réfléchir. C'est pour ça que la demande elle est faite à la fin du temps mort. C'est qu'après avoir terminé son temps mort, discuté avec les joueurs, etc., il a pris sa décision. OK? Allez. Alors, toujours dans le cadre de la remise en jeu, toujours, quand on met du jeu de témoin, etc., c'est-à-dire que là, lorsqu'il y a une remise en jeu, les 2 dernières minutes, le joueur de l'équipe défensive n'a pas le droit de franchir la ligne de touche. Une partie de son corps, le genou ou il n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une interférence. Autrement dit, les autres, avant les 2 dernières minutes, c'est une interférence et l'incident suit les 24 secondes, etc. Donc l'arbitre, il doit faire le geste ou la démontrer ou la montrer le geste d'avertissement, de dépassement illégal de la touche. Okay? C'est-à-dire qu'avant que l'arbitre ne remet la balle au joueur qui va faire la remise en jeu, supposons que après l'enchaînement, après un temps mort, etc., def la zone avant, il va faire la remise. L'arbitre, avant de donner la balle au joueur pour la remise en jeu, il doit faire ce geste parallèlement à la ligne de touche. C'est un avertissement. Okay, c'est un avertissement de même le joueur défenseur, afin de ne pas avancer ou de franchir la ligne de touche ou la ligne de remise en jeu, une partie de son corps, soit que ses mains, ses genoux, sa tête, etc. Parce que pour éviter ce qu'on appelle les tactiques négatives, c'est-à-dire que des fois c'est prémédité pour siffler ou la haja, c'est tactiquement pour éviter ce qu'on appelle aussi l'anti-jeu. L'anti-jeu, donc la réglementation de Dana, c'est un avertissement. L'avertissement là, tout simplement, si ce joueur, c'est qu'une faute technique doit être sifflée contre le défenseur qui a franchi la ligne de touche après avoir été averti. Une fois qu'il a été averti, OK, même avec cet avertissement de Khalid, par exemple, il a fait une interférence, là, l'arbitre ne va pas hésiter à donner une faute technique. La faute technique, donc, sera lancée, la balle, tout la remise en jeu. C'est-à-dire, carrément, ce défenseur, il n'a rien gagné. Quand il a perdu, peut-être qu'il va donner un point de plus à l'équipe adverse. Donc, c'est pour ça que nous, les arbitres, faites attention, les jeunes, c'est pour ça que l'application, la concentration des 2 dernières minutes, elle est importante. Vous devez faire ce signal dans le cas où le maître touche. Vous ne pouvez pas donner faute technique parce que tu ne l'as pas averti. Dans ce cas, les jeunes restent concentrés. Dès que les 2 dernières minutes, toute remise en jeu, faites ce geste. C'est un avertissement. Vous pouvez joindre là aussi la parole. OK, fais attention, ne franchis pas. Si ce joueur
malgré avec ses avertissements, malgré ça, tu as dit que tu l'as averti même verbalement, il a franchi quand même la ligne de remise en jeu. Là, n'hésitez pas à donner une faute technique. OK, mais faites attention de ne pas oublier. Si pour ça, moi, je vous donne un conseil, les jeunes. Lorsqu'il y a un temps mort de dernière minute, rapprochez-vous dans un endroit et discutez sur tout ce qui va se passer dans les dernières minutes, y compris cette situation. Attention, n'oubliez pas le geste. OK, ça, si vous ne faites pas le geste, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est que vous allez donner une faute technique pour un joueur qui n'a pas été averti. C'est-à-dire que c'est tous les dors à lui, quoi que réglementairement, tu peux lui donner. Mais dans ce cas, c'est pour ça, on doit être toujours concentré de ne pas faire la bêtise, de ne pas appliquer un point de règlement. Ça, c'est un point de règlement qui est important. L'arbitre doit faire ce geste. Il doit informer, il doit avertir ce joueur de ne pas dépasser par une partie de son corps la ligne de touche. S'il dépasse malgré cet avertissement, n'hésitez pas à donner une faute technique. Maintenant, on va aller directement au temps mort. Match final, les remises en jeu. Maintenant, on va voir les temps morts. OK, time out. Alors, si une équipe n'a pas pris de temps mort dans la deuxième mi-temps, c'est-à-dire troisième et quatrième carte, OK, dans la deuxième mi-temps, avant le chronomètre de jeu affiche 2 minutes. La quatrième, du quatrième carton, Agla, cette équipe va bénéficier que de 2 temps morts au lieu de 3. C'est-à-dire que comme l'a fait réglementairement, la première mi-temps, l'équipe a droit à 2 temps morts. Il peut les prendre là où, à tout moment qu'il veut. Il peut les prendre sur le premier carton. Il peut les prendre sur le deuxième carton. OK. Il peut prendre 1 sur le premier carton et 1 sur le deuxième carton, ça fera 2 temps morts. La même chose pour la deuxième mi-temps, il a 3. Donc, il peut prendre les 3 sur le troisième carton comme il peut prendre les 3 sur le quatrième carton. Il peut prendre 2 sur le troisième, il peut prendre 1 le quatrième, ou bien il peut prendre 1 sur le quatrième, il peut prendre 2. Et dans le cas s'il n'a pas pris de temps mort, le quatrième carton, dès qu'on arrive à les deux dernières minutes, non, dès que le chronomètre affiche 2 ou moins sur le chronomètre du jeu, automatiquement cette équipe sera amputée d'un temps mort. Elle n'ouvre plus droit à 3 temps morts, mais elle va bénéficier ou elle a droit uniquement à 2 temps morts. La procédure, OK. Le marqueur, il doit tracer 2 traits horizontaux dans la première case des temps morts de cette équipe dans la deuxième carte. OK, il doit mettre les deux dans le deuxième cas. C'est-à-dire qu'il y a le vert là, il doit mettre ces deux. OK. Dans ce cas, le marqueur doit tracer 2 dans la première case de mort de cette équipe dans le deuxième carton. On n'a pas vu le quatrième carton déjà. Non, OK. Donc, il y a une erreur, c'est le quatrième carton. Donc, il doit tracer ces 2 lignes horizontaux afin de dire, Blik Khlas, il n'ouvre plus droit à un temps mort. C'est un plus haut à 3 temps morts. Par contre, il prend uniquement 2. Donc, le aussi, ceux de la table de marque, restez concentrés. Dès que le temps affiche 2 minutes au moins, vous devez faire cette procédure et que l'entraîneur doit être informé qu'il n'a plus droit à 3 temps morts, mais il a droit uniquement à 2 temps morts. Aussi, le tableau d'affichage, celui qui a le tableau d'affichage, doit afficher le premier temps mort comme s'il l'avait pris. C'est-à-dire que c'est comme si le temps mort a été pris. Il dit que Jack McKinney est en rouge. Comme quoi, il a pris un temps mort, Charles Mazalou, 2 temps morts. Donc, nos jeunes, donc, n'oubliez pas ceux de la table de marque. Le marqueur, il doit faire 2 traits horizontaux afin de dire, Blik, il n'ouvre plus droit à 3 temps morts, mais pas 2 temps morts. Aussi, le tableau d'affichage aux yeux du public, des spectateurs, le banc de touche, etc., les équipes, ils vont être conscients. Blik, attention, l'équipe A, par exemple, n'a pas pris ses temps morts. Dans ce cas, on lui ampute un temps mort et pas uniquement 2 temps morts. OK. Donc, dès qu'on arrive à cette situation, nos jeunes de la table de marque aussi, faites attention d'appliquer cette règle. Alors, on va avancer. Maintenant, on va donner un cas. Et restez concentrés. Okay? Dans le cas où un temps mort a été demandé à plus de 2 minutes, de la fin de la deuxième mi-temps, pendant que le jeu se poursuit. Exemple, un entraîneur, il a demandé un temps mort d'afficher 2 minutes en seconde. La baouti là-bas. La balle en jeu, il a demandé à la table de marque un temps mort.
OK? Donc 2 minutes et 11 secondes. Et à 1:56, par exemple, à la fin de la rencontre, une sortie de ballon. Sortie de ballon, il dit automatiquement l'arbitre, il va arrêter le chronomètre. Donc ballon arrêté, chrono arrêté, balle morte, etc. En ce moment, le temps mort est maintenant accordé. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait la demande à 2 minutes 11, le temps mort a été attribué, a été réellement donné à cette équipe à 1:56. OK. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que cette équipe va bénéficier que de temps mort, que de temps mort le 3. La même chose, c'est-à-dire qu'il a fait la demande de 2 minutes 11, il a reçu 1 minute 56. Dans ce cas, cette équipe va bénéficier que de temps mort au lieu de 3. Le marqueur, comme on l'a dit tout à l'heure, doit tracer deux traits horizontaux dans la première classe des temps morts de l'équipe. Aussi, il ne reste plus qu'un temps mort disponible pour cette équipe. Elle a pris un temps mort. C'est-à-dire qu'il demande d'être temps mort les 2-11 ou à la 1:56. Dans ce cas, il y a automatique, plus il y a consommé le temps mort qui est demandé. Donc, il y a un seul temps mort, il y a juste deux temps morts. Un, il est consommé, point de vue réglementaire, il est consommé parce qu'il est pris après les 2 minutes. Il va prendre le temps mort actuel, donc il lui reste réellement un temps mort. C'est-à-dire que pourquoi ça? Comme je l'ai dit, je l'ai anticipé l'explication. C'est-à-dire que le temps mort n'a pas été accordé avant que le chronomètre de jeu affiché 2 minutes, dans le quatrième cas. C'est-à-dire que réellement, ce temps mort a été accordé à 1:56. Même s'il a fait la demande à 2:11, comme je l'ai expliqué, il a demandé 2:11, mais le jeu se poursuit. Il a demandé la table de match. Prochain arrêt, comme le langage utilisé généralement, cher prochain arrêt, appelez le temps mort. Dans ce cas, 2-11, Michel Tom, il a fait 1:56 à la fin de la rencontre, la fin de la quatrième carton. Ballon sorti, arrêt chrono, hop, la table, le chronomètre, signal qu'il y a un temps mort demandé par l'équipe. Une fois que le temps mort a été demandé, dans ce cas, réellement, tu as atteint le temps mort de l'équipe, a dit Martin, à 2-11, lorsqu'il a fait la demande. Par contre, atteint à 1:56. Dans ce cas, cette règle, elle s'applique. Il n'ouvre plus droit à 3 temps morts. Donc, il va automatiquement au point de vue réglementaire. Il va jouer une automatique. Le chronomètre, le marqueur, il doit faire 2 barres donc, horizontaux. En plus, ce temps mort qui va consommer, celui qui a demandé un instant. Donc, réellement, qui va faire ce temps mort, un seul temps mort. Donc, voilà les jeunes. Donc, ceux de la table de marque, faites attention. Même s'il fait la demande 2 minutes avant, plus avant la fin de la rencontre, où réellement vous allez accorder ce temps mort, après les 2 minutes, là, il n'ouvre pas droit à un temps mort. À 3 temps mort, il ouvre droit à 2 temps mort. Faites attention, ça ne veut pas dire qu'il a fait la demande 2 minutes avant. Classe, dès que le calcul, les 2 minutes, il se fait au ptèche, il se fait au moment où le chronomètre a arrêté pour donner le temps mort à cette équipe. Voilà. Alors, aussi, si un tir au panier est réussi lorsque le chronomètre de jeu indique 2 minutes, au moins dans le quatrième carton ou chaque prolongation, c'est une occasion de temps mort uniquement pour qui? Pour l'équipe qui a encaissé, c'est-à-dire pour l'équipe qui n'a pas marqué. OK, les 2 dernières minutes, une fois il prend le panier, il y a une opportunité de remplacement de temps mort, le même uniquement l'équipe qui a encaissé, pas pour l'équipe qui a marqué. Faites attention, c'est décanossé. C'est-à-dire que même le règlement, il drôle flamme à la rencontre. C'est-à-dire que même si l'équipe qui a marqué demande à Tomor, on ne lui accorde pas. OK? C'est-à-dire que le Tomor avant, il est accordé uniquement à l'équipe qui a encaissé. OK? Supposons qu'il y a eu panier de l'équipe A demande un changement, on ne veut pas de droit. Mais si l'équipe B demande changement, on ne veut pas de Tomor. Ils ont droit. Donc, faites attention. Le point de peur, c'est que le temps mort est permis ou une occasion de temps mort est permis. Neuf, le compte là, il est donné uniquement à l'équipe qui a encaissé, mais pas à l'équipe qui a marqué. OK? Alors, mais si un temps mort est accordé à l'équipe qui ne marque pas, les adversaires peuvent également bénéficier d'un temps mort. C'est-à-dire que l'équipe A, le demande d'un temps mort, elle a encaissé. Dès qu'il y a tout là, un temps mort, après ça, l'équipe B, elle ouvre droit à un temps mort. Mais c'est-à-dire que Manatouche, l'équipe B loue le temps mort. Si l'équipe A n'a pas demandé le temps mort, l'équipe B n'aura pas droit au temps mort. Mais dès que l'équipe A atteint le temps mort, OK, dans ce cas, après ce temps mort, l'équipe B aussi a droit de demander un temps mort. Mais le plus important, le premier temps mort, l'équipe A a marqué un panier,
شكون عنده الدروا يدوموندي طومون ليكيب بي اوكي سي ليكيب ا بريزونت دوموند طومون ما يعطولهاش مي سي ليكيب بي دوموند طومون باسكو علاش سي تيل كي اونكي سو لو باني لا لو طومون اي تاكوردي اوتوماتيكمون سي ابري سو طومون ليكيب ا اوسي على الدروا اد سو طومون دونك سي بور سا نو زامبي لا تاب دو مارك فات اتونسيون سي تاديك ديك باني ماركي Et vous avez vu que l'équipe qui a encaissé a demandé ton mot, retentissez votre signal. Mais vous avez vu la remise en jeu, nous faisons chacun. Imaginez une passe longue, passe contre-attaque, donc restez concentrés. On a les deux dernières minutes à deux, elles sont très importantes, que ce soit aux arbitres et aussi aux OTN. Dans ce cas, restez concentrés, vigilants. Donc faites attention, demandez la communication, bien sûr, il y a le commissaire qui coordonne la situation. Dans ce cas, faites attention, ne soyez pas lents. Comme on l'a vu dernièrement, comme les traînards. Donc, s'il y a une demande, dès que vous avez marqué, il a franchi le fil, top, vous actionnez votre pupitre, ben, chaque date, l'équipe qui a encaissé, on veut droit à un temps mort. Maintenant, le remplacement. C'est-à-dire qu'à quel moment, on porte une de remplacement aussi. Si le tir au panier est réussi, lorsque l'on met le tir indique 2 minutes ou moins dans le quatrième carton, ou chaque prolongation, aussi, c'est une occasion de remplacement pour qui? Pour l'équipe uniquement, pour l'équipe n'ayant pas marqué, c'est-à-dire l'équipe qui a encaissé. Donc, le même principe qu'on a parlé du temps mort, il s'applique aussi au remplacement. C'est-à-dire que l'équipe qui a encaissé, c'est elle qui a droit au remplacement, mais pas celle qui a marqué. Donc, le principe du temps mort et le principe du remplacement, c'est le même. On n'a pas tardé sur le point là parce que c'est la même chose. Donc, c'est l'équipe qui a marqué n'ouvre pas droit ni au temps mort ni au changement. Mais l'équipe qui a encaissé, elle ouvre droit à un temps mort et un changement. OK? Aussi, la même chose, si l'emplacement est accordé à l'équipe qui n'a pas marqué, les adversaires peuvent également bénéficier d'un emplacement. Donc, le même principe, ce qu'on a discuté concernant le temps mort, il s'applique aussi au niveau du changement. C'est-à-dire que si l'équipe qui a encaissé a demandé un changement, lui accorde le changement, si l'équipe A, si l'équipe qui a marqué demande, lui aussi, on lui demande le changement. Mais ça, le plus important, le premier changement, c'est toujours l'équipe qui a encaissé. Donc, le principe du temps mort. Et le principe du changement, c'est la même chose. Donc, la même chose, les jeunes, nos amis de la table de marque, faites attention. OK. Donc, si l'équipe a marqué un panier, j'ai demandé comme changement, j'ai le joueur. Et réglementairement, c'est le joueur qui va se déplacer. Hein? OK. Ce n'est pas le joueur, l'entraîneur, qui va garder les changements. C'est le joueur qui va se déplacer près de la table de marque. À l'inverse du temps mort, c'est l'entraîneur ou bien l'entraîneur de joueur peut demander le temps mort. Mais le changement, c'est le joueur. Faites attention, les jeunes. N'acceptez pas un remplacement de l'entraîneur, mais le joueur met à l'ougade. Il doit s'approcher de la table de marque, c'est-à-dire qu'il demande un changement. Donc, si on accorde un changement pour l'équipe qui a encaissé, la même chose. Donc, on doit aussi accorder un changement en même temps, la deuxième équipe, celle qui a marqué un changement. Très bien. Alors, maintenant, le temps mort et les 24 secondes plus dans le cadre des deux dernières minutes. OK? Maintenant, si on a le temps mort, il y a une incidence de lieu de la remise en jeu, aussi il y a une importance. On doit être concentré. L'appareil de tir, où est la remise, est-ce qu'on a choulo, on a choulo, on a gardé, etc. Donc, c'est des critères qu'on doit les apprendre à les jeunes. OK? Surtout ceux-là, tout le monde doit connaître, doit maîtriser cette règle. Et les arbitres du terrain, et les arbitres, les OTM. C'est une erreur d'une part ou de l'autre, l'un corrige l'autre. OK? Donc, le temps mort, 24 secondes. Alors, si le chronomètre de jeu indique 2 minutes au moins, dans le quatrième carton prolongation. OK, plus. Un temps mort est pris par l'équipe qui n'a pas bénéficié, à l'équipe qui bénéficie de la remise en jeu dans sa zone arrière. C'est-à-dire 2 minutes, un temps mort, remise en jeu, la zone arrière. OK, on l'a discuté tout à l'heure, la zone arrière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, égal. L'entraîneur de cette équipe a le droit de décider si le joueur prendra la part dans la zone avant depuis la ligne de remise en jeu de son équipe, ou bien dans la zone arrière de son équipe, là où le jeu a été arrêté. Soit zone avant, soit zone arrière. On l'a expliqué tout à l'heure, donc je fais l'incidence taf les 24 secondes. Là, c'est des cas. C'est-à-dire que remise en jeu pour l'équipe va bénéficier de remise en jeu la zone arrière tard. Alors, si la remise en jeu résulte d'un ballon sorti des limites du terrain, la zone arrière, si la remise en jeu résulte d'un ballon sorti des limites du terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Si l'équipe ou l'entraîneur a choisi de faire la remise en jeu de sa zone arrière,
c'est-à-dire le point où il charge la balle. Dans ce cas, le chronomètre des tirs doit continuer à partir de là où il a été stoppé. Exemple, j'ai mis 17 secondes, donc si le chronomètre des tirs des 17 secondes. Sortie de ballon, chronomètre affiché 17 secondes, temps mort, l'entraîneur a choisi de faire sa remise en jeu en zone arrière, chacun a affiché l'appareil des tirs 17 secondes, donc le temps affiché sur l'appareil des tirs doit être maintenu. OK, donc les jeunes, on parle de la remise en jeu, résulte d'un ballon sorti des limites du terrain, la zone arrière. OK, dans ce cas, l'entraîneur a choisi de faire sa remise en jeu la zone arrière. Dans ce cas, le chronomètre des tirs, on n'a pas touché, il doit continuer tel qu'il est. 17 secondes, il garde 17 secondes. 20 secondes, il garde 20 secondes. 16 secondes, il garde 16 secondes. 5 secondes, il garde 5 secondes, etc. Plus important, et rester concentré que le temps affiché, l'appareil des tirs, il va rester le même. OK. Maintenant, dans le cas où le cet entraîneur demande que soit la remise en jeu, elle va se jouer au niveau de la zone avant d'équipe. La zone avant d'équipe, c'est la zone, c'est le prolongement de la ligne des trois points. OK. Maintenant, si l'entraîneur décide de faire la remise en jeu off la zone avant, qu'est-ce qui va se passer les 24 secondes? Il goûte le xy, quand on met des tirs, indique 13 secondes ou moins. Indique 13 secondes ou moins. Le chronomètre des tirs doit continuer à partir de là où il a été stoppé. C'est-à-dire, je donne un exemple, c'est-à-dire, rajoute la balle, mais elle loue 11 secondes sur affiché sur le chronomètre des tirs. OK? Maintenant, puisqu'il a demandé de faire sa remise en jeu sur la zone avant, dans ce cas, tant qu'il a été affiché sur l'appareil des tirs, il doit rester le même. Voilà, il doit rester le même. C'est-à-dire que cette équipe ne va pas bénéficier de. Il ne va pas bénéficier de l'espace, il va gagner d'espace de la zone arrière vers la zone avant. Et aussi, il va pas gagner espace, il va pas gagner point de vue temps. OK. Maintenant, il a 14 secondes. Ce n'est pas normal. Dans ce cas, on a le temps, s'il affiche moins de 13 secondes, donc on lui donne le temps qui est affiché. J'ai donné l'exemple en secondes. Dans ce cas, le temps qui sera affiché en secondes. Dans ce cas aussi, comme le principe avant de faire la remise en jeu, moi je l'ai dit toujours, les arbitres, celui qui va faire la remise en jeu et les autres, coup d'œil, OK, au chronomètre, que ce soit du jeu ou la chronomètre des tirs. Dans ce cas, on jette notre coup d'œil, on chauffe que l'opérateur des 24 secondes à l'opérateur des tirs a bien utilisé la chose. Dans ce cas, faites attention. Donc, le temps, s'il reste 13 secondes au moins, il a appelé 13 secondes. Il a 12, 13, 14, 11, 10, 9, il va jouer du même temps. Donc, j'ai donné l'exemple de 11 secondes. Donc, il va jouer uniquement 11 secondes. Maintenant, le deuxième cas, mais si le chronomètre des tirs indique 14 secondes ou plus, l'inverse, il a 13 secondes au moins, maintenant, il reste le chronomètre des tirs 14 secondes ou plus. Donc, exemple, j'ai donné 21 secondes. Le chronomètre des tirs doit être remis à 14 secondes. OK. C'est-à-dire, mais c'est long, 21 secondes sur le chronomètre des tirs. Réglementairement, cette équipe va lui attribuer uniquement 14 secondes. C'est le même principe. Ils ne vont pas gagner l'espace. La zone arrête là, la zone avant, ils vont gagner des mètres. Ou uniquement, à tout le temps, c'est qu'il y a deux choix. Donc là, on a aussi situé l'aspect tactique. S'il y a l'entraîneur de voir, est-ce qu'il faut aller à la zone avant, est-ce qu'il faut aller à la zone arrière. OK, mais là, donc, les garants de la réglementation, les garants qu'on doit appliquer à la réglementation, on doit l'appliquer à la lettre. Alors imaginez, là, mais nous supposons 28 secondes, on a attendu les 28 secondes, là, c'est grave. Attendez-nous 7 secondes de plus, soit à la fin du basket, puisque un centième de seconde, il a son importance. OK, donc, on reste vigilant. Soit c'est l'opérateur du tir et l'ensemble de la table de marque, soyez solidaire, Fulchihada, aussi le commissaire qui coordonne le travaux à la table de marque, doit faire attention aussi les arbitres Gunafond avant de faire la remise en jeu, Fulchihada, est-ce que l'opérateur du tir a initialisé le chronomètre dès le 14 ou l'achla 21? L'achla 21, moi j'interviens. L'achla 14. OK, dans ce cas-là, c'est le premier cas, si la remise en jeu résulte d'un ballon sorti du limite du terrain. Maintenant, si la remise en jeu résulte quoi? D'une violation ou d'une faute, mais pas d'un ballon sorti des limites du terrain. Donc, on va parler uniquement de la violation et de la faute. La même chose, temps mort demandé par l'entraîneur, il a le choix de faire sa remise en jeu là où il veut. OK, c'est la réglementation qui lui a permis. Dans le cas, il choisit dans la zone arrière de cette équipe, quel que soit le chronomètre affiché, quel que soit le temps affiché sur le chronomètre des tirs. Ce dernier doit être remis à combien?
Dommage, Mathieu, que je t'ai répondu. Il vient de te remettre 14 secondes. Zone arrière, violation ou faute. Quel que soit le temps affiché, l'appareil de tir. Dans ce cas, on va réinitialiser le chronomètre à 24, des tirs à 24 secondes. À tout le 24 secondes. Mais si, mettre 15 secondes, à tout le 15, ou le mettre 2, à tout le 2, ok, ou le mettre 23, à tout le 23. Mais quand même, quel que soit le temps affiché, l'appareil de tir, le chronomètre doit être remis à 24 secondes. Ok? Donc, faites attention, les jeunes, restez concentrés, il faut le domaine là-bas aussi. Dans le cas où l'entraîneur décide de prendre sa remise, de faire sa remise en jeu sur la zone avant de cette équipe, la même chose, quel que soit le temps affiché sur le chronomètre de tir, ce dernier doit être remis à combien? À 14 secondes. OK. C'est-à-dire que la zone arrière, quel que soit le temps affiché, n'a pas le 24. Si c'est la zone avant, quel que soit le temps affiché, on l'ouvre droit uniquement à 14 secondes. S'il avait 5 secondes, là, 14 secondes. S'il avait 20 secondes, 22, 23 secondes, n'a pas le 14 secondes. OK. C'est-à-dire que là, c'est l'entraîneur de voir le choix. C'est pour ça que là, les deux derniers métiers, l'aspect tactique est primordial. Les entraîneurs doivent vraiment réfléchir. Ou là, les jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, doivent être concentrés pour appliquer la réglementation. La réglementation, est-ce qu'on applique à la réglementation? C'est nous, les arbitres et les tables de marque. Ce n'est pas les joueurs. OK, donc les deux derniers métiers, attention, si une équipe maîtrise la réglementation, on peut avoir des problèmes. Là. Restez concentrés. Et donc, faire la clé de feuilleton, bon, là, qu'on discute. Attention, là, faites attention. S'il va faire la remise en jeu en zone arrière, donc il aura 24. Si c'est en zone avant, il va avoir 14 secondes, etc. Là, on doit être vraiment concentré. Ce qu'on appelle le money time, on doit être physiquement et moralement, on doit être vraiment pareil. Aussi, si le temps mort est pris par l'équipe qui obtient un nouveau contrôle du ballon et que la remise en jeu est administrée, quel que soit le nouveau contrôle. OK, c'est-à-dire que la zone avant, la zone A, c'est un nouveau contrôle. C'est-à-dire que l'équipe, supposons, A, elle est en offensif, on prend un nouveau contrôle, automatiquement, donc le cheval appelle Tomor, qui va, s'il fait la remise en jeu, la zone arrière. Ouais. Alors, si c'est dans la zone arrière de cette équipe, OK, quel que soit le temps affiché sur le chronomètre des tirs, ce dernier doit être remis à 24 secondes. Dans ce cas, si la remise en jeu va se faire l'arrière, après avoir un gars eu un nouveau contrôle, ok, on a pris la balle, ok, Tomor, dans ce cas, on aura droit à 24 secondes. Ok, dans le cas, dans la zone avant de cette équipe, quel que soit le temps affiché sur le chronomètre de tir, doit être remis à 14 secondes. C'est-à-dire 24, faisons en arrière, c'est clair, c'est un nouveau contrôle, et aussi, la zone avant, 14 secondes, même sortie de balle. C'est-à-dire qu'une équipe, ou l'équipe attrape la balle, A1 fait la passe à A2, il n'a pas intercepté la zone arrière de l'équipe A, dans ce cas, c'est la zone avant de l'équipe B. L'équipe B va bénéficier de 14 secondes. La hauche 24. OK, même sortie de balle. Donc, violation, faute, etc., y compris les sorties de balle, la zone arrière, lorsqu'il y a un nouveau contrôle, dans ce cas, on doit donner 14 secondes. OK, les jeunes, dans ce cas, on doit être vraiment vigilant. C'est les points de règlement à deux. Maintenant, la faute antisportive, le critère 5. OK? Maintenant, c'est très, très important. Parce que le chronomètre de jeu indique 2 minutes au moins. Dans le quatrième carton et de chaque prolongation, etc., le ballon est hors des limites du terrain pour une remise en jeu et que le ballon est. C'est-à-dire qu'il y a une remise en jeu, les 2 dernières minutes. Le ballon a d'avoir 1. Toujours dans les mains de l'arbitre. OK, pour la remise en jeu, tout le monde est prêt pour reprendre le jeu. Primo, dans ce cas, le ballon, il est entre les mains de l'arbitre. Secondo, la balle est à la disposition du joueur effectuant la remise en jeu, c'est-à-dire le ballon vivant. Dans les deux cas, lors d'une remise en jeu de 2 dernières minutes, OK, le quatrième carton ou chaque prolongation. Un, si le ballon est toujours dans les mains de l'arbitre. Deux, si la balle est à la disposition du joueur effectuant la remise en jeu, réglementairement, dit ballon est devenu vivant. Dans le cas où, les deux situations à gauche, toujours dans les mains de l'arbitre, à la disposition du joueur effectuant la remise en jeu, et contact est provoqué sur le terrain par un défenseur sur un attaquant. Un simple contact. Contact provoqué sur le terrain par un défenseur sur un attaquant. Un
ça va être une faute antisportive. Les arbitres ne doivent pas hésiter à siffler une faute antisportive. On a fait le critère 5, hein, c'est-à-dire qu'automatiquement, on a fait le critère doit avec une certaine rigueur, dans ce cas, c'est autre chose. Ok, les jeunes, c'est un contact qui est provoqué sur le terrain, le lieu de la remise en jeu, la direction de la remise en jeu, soit la balle, elle était chez l'arbitre ou bien elle est mise à la disposition du joueur qui va effectuer la remise en jeu. Si un contact est provoqué, Allah est provoqué, c'est un anti-jeu. Pourquoi? Pour arrêter le chronomètre, pardon, pour que le chronomètre ne démarre pas. C'est un anti-jeu. Là, le législateur au niveau des règlements FIBA, c'est-à-dire qu'il a mis fin à ce comportement négatif. C'est-à-dire que pour ne pas permettre à cette équipe de ne pas démarrer le chronomètre, ce n'est pas logique. Dans ce cas, si un joueur fait cette connerie, il est sanctionné d'une faute technique et a choisi un lancer pour l'équipe, plus remise en justice. Là, réellement, celui qui a fait cette erreur, au contraire, il n'a rien gagné. Au contraire, il a fait perdre à son équipe. Il a donné un point de plus à l'équipe adverse. Donc, les jeunes, on doit rester concentré. Alors, sur ce point, donc, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Dans ce cas, c'est un autre arrêt. D'accord, on a un partage. Sphère, comme tu vois la vidéo? Sphère. Ouais, encore. Voilà, c'est bon. Donc, vous allez voir, c'est des situations de jeu vraiment qui hein. Où les arbitres n'hésitent pas à siffler des fautes. Là, c'est, je ne me rappelle pas quel quart de finale, demi-finale, les Jeux Olympiques, je fous le temps, je l'ai affiché. Donc, regardez le temps de main, j'ai arrêté la courbe à la corde, donc la 26 secondes et 4 centièmes, 4e carton, regardez le score. Il est uniquement de 4 fois. OK, la balle, Canada. Panier marqué, donc là, 3 points. Regardez là. Hop. Contact, faute antisportive. C'est-à-dire que faute antisportive, de lancer plus remise en jeu. On regarde, même la joueuse de l'équipe de France, c'était qu'ils maîtrisent la réglementation, ils ont fait directement signal à la faute. Donc regardez, donc elle peut avoir encore des points de plus pour le premier lancer raté. Deuxième lancer marqué. C'est de quel peu dans la situation elle est aussi. L'équipe de France peut marquer encore 3 points. Ok, donc on va refaire la vidéo. Allez, je vous blague. Donc on essaie de suivre après le panier marqué. Hein. Panier marqué, remise en jeu. On regarde là. 4, là. Hop, contact, on se pense mal avec fort. L'arbitre n'a pas hésité à siffler la faute antisportive, c'est-à-dire que c'est un anti-jeu. Voilà, on fait la faute à l'équipe, c'est une faute simple pour que le chronomètre ne démarre pas. Éventuellement, sur le cas, les cas a raté un lancer, ils peuvent faire le rebond pour le deuxième ou ils peuvent faire une remise, ils peuvent remonter un A. Le législateur au niveau FIBA a sanctionné ce comportement négatif ou l'anti-jeu à A par une faute antisportive, même si c'est un contact simple. Il devient faute antisportive, donc deux lancers plus remise en jeu. On va voir la deuxième vidéo. Sphère, voulez-vous la démarrer, hein, s'il te plaît? Est-ce que Sphère?
Oui, etmişim, etmişim. Ha. Donc, on regarde, j'arrête. Je fous le score, je les jeunes. 80-78, 2 points. Je fais le temps pour le quatrième carton. OK. 2 minutes 6 secondes. C'est FIBA Europa, Europe Cup. Regardez donc. 2 points d'écart. 2 et 6 centièmes de seconde. Remise en jeu. Faute. Oui, faute antisportive. Quoique, là, on peut appliquer même le deuxième critère, c'est avec une certaine rudesse. Et là, il n'y a pas que c'est-à-dire que le critère à la faute avait, c'est-à-dire que le cinquième critère concernant les 2 dernières minutes, c'est-à-dire qu'on doit être vigilant, OK? C'est-à-dire que s'il y a un contact sur le terrain, chacun prend ses responsabilités. On ne doit pas être clément, fichier Très bien. On va avancer. Tu me le toujours. Bon, alors on va terminer directement. Ce que vous avez compris, Darwak, on va parler du chronométreur aussi. Devoir du chronométreur. Là, il vous le devoir du chronométreur lors des 2 dernières minutes de la rencontre. Qu'est-ce qu'il doit faire le chronométreur? Donc, nos amis OTM, ça c'est pour vous. OK? Alors, automatiquement, le chronométreur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit arrêter chronomètre de jeu lorsqu'un panier marqué. Dans ce cas, les 2 dernières minutes, à chaque fois qu'un panier est marqué et réussi du terrain, le chronomètre doit, que je voulais dire, il doit arrêter le chronomètre. Ça, c'est l'argumentation. Après tout panier marqué, les 2 dernières minutes, la rencontre, c'est-à-dire le quatrième carton ou bien prolongation, le chronomètreur doit arrêter son chronomètre. OK. Le chronomètre, chiche. Il doit l'arrêter le moment. Dans ce cas, après, la condition après qu'un panier est marqué. Quelle que soit l'équipe qui marque le panier, le chronométreur doit arrêter son chronomètre. Alors, dans ce cas, à quel moment il doit arrêter le chronomètre? Parce que ballon de Khalmi, on a la FIBA vraiment précisé, là, on doit arrêter le ballon. Dans ce cas, je dois arrêter le chronomètre, le ballon, quand le ballon est entièrement traversé le panier. Donc, à ce moment, dès que, et ça, le coup d'œil, dès que la balle dépasse le filet là, le chronomètre doit être arrêté. Stop the game clock. C'est-à-dire que ma chiffre intérieure ou ma chiffre thermique a été touchée l'arbre ou l'a dépassé largement le filet parce que ça peut consommer une seconde, des centièmes de seconde, là je ne sais pas quoi. Dans ce cas, restez vigilants les 2 dernières minutes et vous avez à bien confiance qu'on oublie tout panier marqué les 2 dernières minutes. Moi, en tant que chronomètreur du jeu, je dois arrêter le chronomètre. Donc, dès qu'un panier marqué, essayez de calculer le temps à l'acte, dès qu'il dépasse le filet, hop, on doit arrêter le chronomètre. Donc, on va l'arrêter à l'intérieur. Ou là, il suffit qu'il passe, qu'attention, il peut sortir hein, le ballon. Et ce n'est pas un panier accordé. Dans ce cas aussi, mais il a peut-être touché l'arbre. Ou bien, il y a peut-être une certaine hauteur, il y a peut-être 2-3 mètres au-delà du sol. Donc, soyez vigilants. La FIBA a arrêté, a mis à fin à la polémique à quel moment on arrête le chronomètre doit arrêter le chronomètre de jeu. Donc, c'est à ce moment, dès que la balle dépasse entièrement le filet, dans ce cas, l'opérateur des 24 secondes doit arrêter pardon, l'opérateur de jeu, le chronométreur doit arrêter son chronomètre. OK? J'espère que vous avez compris la situation. Donc, l'insigne doit être la plus concentrée. Il va faire un calcul décapané des drôles. Donc, il est censé savoir, blick-up, à ce moment, je dois arrêter le chronomètre. OK? Dans ce cas, ni avant, ni après. Bon, ça peut dépasser quelques centimètres, c'est-à-dire vraiment les yeux laser, mais on soit vigilant parce qu'on l'a dit une seconde, 2 secondes, l'équipe dit.
Ok, on est là, on est les garants de la réglementation. Au contraire, on est là pour la couleur. On n'est pas là pour X ou Y. Alors, maintenant, l'opérateur du commandement de tir est devoir, c'est-à-dire devoir. Donc, le devoir d'opérateur du commandement de tir lors des dernières minutes de la rencontre, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu vois aussi. Donc, il doit d'abord arrêter le chronomètre et le remettre à 14 secondes avec 14 secondes visibles. Dans quel cas? 14 secondes. Dans le cas d'un temps mort pris par l'équipe qui a bénéficié de la possession du ballon pour une mise en jeu en zone arrière et que l'entraîneur de cette équipe a décidé que le jeu reprendra par une remise en jeu pour son équipe depuis la ligne de remise en jeu en zone avant. C'est-à-dire que si l'équipe demande un temps mort ou quand la remise en jeu fait la zone arrière, ou là, il fait la zone avant, par exemple, la faute de la violation, donc 14 minutes plus, 14 secondes, si 14 secondes doivent être visibles à tout le monde, c'est-à-dire que c'est rouge, il y a la remise en jeu. OK, face à la table de marque et au prolongement de la ligne des trois points. Dans ce cas, le chronomètre de tir, il doit faire les 14 secondes. Alors, automatiquement, on a l'arbitre, avant de faire la remise en jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque remise en jeu. OK, même, je vais dire, même après, même avant le dernier lancer franc, l'unique lancer franc, où il faut faire le rebond, mais cacher une autre remise en jeu là, avant de faire top, rien que le chronomètre. OK, ça, c'est des calculs de l'IoT à la collègue. OK, dans ce cas, 14 secondes d'affichée, ça c'est le devoir du chronomètre d'équipe. Lorsque l'équipe a pris la décision de faire sa remise en jeu en zone avant, donc les 14 secondes d'affichée, plus ils sont visibles. Anel Khrouchev au niveau de l'IRS, c'est-à-dire Instance Replay System. Maintenant, les cas qu'on va parler dans le Khrouchev peut utiliser le système de révisionnage vidéo, Instance Replay System, IRS. Lors des dernières minutes du quatrième carton et de chaque prolongation pour vérifier quoi? Vérifier leur décision en regardant quoi? Les situations de jeu sur l'écran, technologie, vidéo approuvée. Voilà, je l'ai fait, pas, je l'ai fait quand même, surtout pour nos amis arbitres internationaux, Inch'Allah, qui vont être appelés arbitres des tournois internationaux, etc. Ou une belle qui vont utiliser les restes, nos arbitres, ils doivent aussi maîtriser ce point de règlement. OK, c'est-à-dire d'abord le geste technique pour demander de revoir la vidéo, c'est elle le geste technique. Tu vois qu'il se tient à droite de l'écran. Donc, ce geste, je fais un cercle, je demande pour revoir la vidéo. Ou la réglementation, je vais anticiper, je suis un hakim comme Chalia. Il doit avoir deux arbitres. Celui qui a sifflé est le Khrouchev. Le Khrouchev, il doit être présent. Celui qui a sifflé, pour revoir sa décision, Hadak plus le Khrouchev. Si c'est le Khrouchev qui a vu la vie, si le Khrouchev est Wallis Far, il doit se faire assister par un autre arbitre. On parle d'arbitrage à trois. Hein? OK, c'est-à-dire que si c'est le Khrouchev qui a sifflé, donc il doit demander l'assistance d'un de ses collègues, Empire One or Empire Two. Si c'est un autre arbitre qui a sifflé, l'assistance du Khrouchev, elle est obligatoire. C'est-à-dire que dans les deux cas, le Khrouchev, il doit être présent lorsqu'il visionne la vidéo, c'est-à-dire que le plus important, deux arbitres, ils connaissent la vidéo. OK? Alors, donc, concernant les 24 secondes, l'IRS est utilisée. Il y a trois étapes, la règle de trois étapes. Il y a ceux qui sont utilisés pour la fin du carton ou la fin du prolongation. Il y a ceux qui sont utilisés pour les deux dernières minutes. Et il y a ceux qui sont utilisés pendant toute la rencontre. On peut utiliser l'IRS. Donc, on va discuter uniquement les cas qu'on peut utiliser pour les deux dernières minutes. C'est-à-dire que les cas ne vont pas être utilisés avant les deux dernières minutes. OK, les arbitres, donc faites attention. Les cas, on ne peut pas les utiliser à 5 minutes de la fin. On peut les utiliser uniquement pour les deux dernières minutes. OK, le règlement concernant l'IRS, il y a trois choses. On peut faire approuver, l'utiliser l'IRS. On a fait la fin du carton de prolongation, les deux dernières minutes, et qu'un des cas où on peut utiliser les restes dans toute la rencontre, dans la première seconde jusqu'à la dernière. Mais les cas qu'on va étudier dans le Kajmaa, elles s'appliquent uniquement les deux dernières minutes. C'est pour ça que j'ai insisté sur les dernières minutes. Alors, premier cas, lors d'un tir du terrain réussi, si le ballon a été lâché avant que le signal du chronomètre de tir retentisse. Parce que pourquoi? On a fait les deux dernières minutes, le ballon chronomètre.
Donc l'arbitre peut siffler, il y a aucune incidence sur le chronomètre de jeu. Dans ce cas, si on doit un tir du terrain est réussi, mais si le ballon a été lâché avant que le signal du chronomètre de tir retentisse, ou là avant. Donc le cadre, il est utilisé les 24, les 2 dernières minutes. OK, on parle des 24 de l'appareil du tir. Donc premier cas, on a lors d'un tir du terrain réussi. Si le ballon a été lâché avant que le signal du chronomètre de tir retentisse. Là, l'arbitre, il peut faire le signe conventionnel. Si c'est Khrouchtchev qui a, donc Khrouchtchev, Roua, il se fait arbitrer, assisté par notre arbitre, ils vont voir l'action, elle dit, est-ce que le ballon charge avant ou là après, ou tu as la fois la décision, si c'est avant, si c'est après. Okay? Deuxième cas, dans le cas où une faute est commise en dehors d'une situation de tir, c'est-à-dire action de tir d'un côté et la faute d'un autre côté. Regardez l'image, par exemple. L'action de tir, elle est là, mais la faute, elle est là. OK? C'est-à-dire que la faute, elle est commise là, elle n'est pas l'action de tir. Elle est loin de l'action de tir. OK? Là, lorsqu'il y a une sorte de situation, le crew-chief peut demander l'utilisation de l'ARS. Dans ce cas, si le temps du chronomètre de jeu ou de tir a expiré, c'est-à-dire qu'est-ce que la faute est inerte qui relâche le temps, ou bien qui relâche l'appareil de tir. Si le temps des chronomètres, les deux, de jeu ou de tir, ont expiré, OK. Ou bien si l'action de tir a commencé, au moment de la faute, l'action de tir a commencé, et aussi si le ballon est encore ou non dans les mains du tireur. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une faute loin de l'action de tir, les 2 dernières minutes, donc là, c'est peut être utilisé pour voir si le temps des chronomètres de jeu et des tirs a expiré, c'est un décalage pour ne pas prendre la faute en considération. Allahumma, c'est une faute avec certaines lunettes, une faute antisportive ou la faute disqualifiante, il faut la maintenir. Si l'action de tir a commencé, pour juger l'action de tir, est-ce qu'on accorde ou on n'accorde pas? Et aussi, la même chose, si le ballon est encore entre les mains ou là, la balle a quitté les mains du joueur tireur qui est l'action de tir, pour juger aussi si on accorde ou on n'accorde pas. Il faut la réglementation. Dans ce cas, le crew-chef peut demander l'assistance de la vidéo pour voir les trois choses à dos pour juger d'un panier ou bien d'une faute. OK. Troisième cas, c'est une violation du goaltending ou bien intervention illégale sur le panier a été sifflée correctement. C'est-à-dire que les 2 dernières minutes à dos, mais attention, uniquement après sifflet. Si un goaltending ou l'intervention illégale qui n'a pas été sifflée, on ne la revoit pas, quel que soit X. Mais si on a sifflé une intervention illégale sur le panier, là, un goaltending, là, le crew-chef peut demander l'utilisation ou l'usage de la vidéo pour voir si c'est un sifflet juste ou la faute, pour rectifier l'erreur. OK. Mais s'il n'y a pas eu de sifflet ou un goaltending, on ne revoit pas la vidéo déjà. Le sifflet, il est très important. S'il n'y a pas coup de sifflet, on ne peut pas revoir l'action. Mais si on siffle le goaltending, OK, là, on peut aller voir la vidéo et revoir s'il y a réellement goaltending ou là, usage d'intervention illégale ou la quantité illégale ou marquage goaltending. Mais si on ne siffle pas, même si réellement il y a goaltending, on ne l'a pas sifflé, on a omis de le siffler, mais la partie pour aller voir la vidéo. Donc, pour le goaltending, il utilise uniquement les 2 dernières minutes à les jeunes. Là, on peut utiliser la vidéo, mais à condition que l'arbitre a sifflé le goaltending ou l'intervention illégale. Si l'arbitre ne siffle pas, ماشي يحبس لا بارتي استنى نروح نشوفوا بالك ما صفرناش جول تانديك انا غلطين نو نو هنا لا ريس ني با يوتيليزي اوكي مي اي يوتيليز دون الكا اون ا سيفلي ان جول تانديك هنا اون بو ولا دخلنا ان دوت دو فوار اسكو ريالمون اون بيان بون اون ا فريمون سيفلي كوركتومون ولا اون با سيفلي كوركتومون لا اون بو الي فوار مي سي جو ن سيفل با سي لا بيت ن سيفل با جول تانديك اي ني با لا فيديو هنا ني با اوتوريزي. OK, donc nos amis arbitres internationaux, la vidéo n'est pas autorisée. Elle est autorisée uniquement si je siffle un goaltending. Les 2 dernières minutes, là, je peux aller voir si j'ai fait une erreur de jugement. Maintenant, le quatrième cas, bien sûr, pour identifier
le joueur ayant fait sortir le ballon du terrain. C'est très important. Avant les deux dernières minutes, si on est en désaccord, je boule que la balle ou là, je ne suis pas sûr, c'est une situation entre deux. Rien que dans les gens. Mais les deux dernières minutes, s'il y a une sortie de balle où les arbitres sont en désaccord ou là, ils ne sont pas sûrs de quel côté c'est le dernier joueur qui a touché la balle, un Khrouchtchev peut demander quoi? Peut demander l'utilisation de la vidéo. C'est une décision importante. C'est-à-dire que si le blanc sort la balle, ou mal bennach, dès qu'on va voir la vidéo, c'est clair, il y en a attribué la balle au bleu, ou bien inverse. Mais dans la situation, si elle est provoquée, le premier carton, le deuxième carton, le troisième carton, le début du quatrième carton, l'utilisation de la vidéo, si c'est une vidéo, n'est pas autorisée. La réglementation, le Khrouchtchev, il ne peut pas utiliser, mais le Khrouchtchev, il peut utiliser la vidéo pour voir, pour identifier le responsable qui a fait sortir la balle. Le joueur responsable qui a fait sortir la balle, là, le Khrouchtchev, il peut demander la vidéo. On va voir une petite vidéo, une vidéo à voir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bien? C'est bon. On a de là. Est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien. On regarde. Alors, regardez le temps. 18 secondes sur le chronomètre du jeu. Je vous le cule seulement à la table de 13 secondes. Au niveau du chronomètre, dit-il. Score 75-73. OK. Dans ce cas, 18 secondes, 18 secondes sur le chronomètre du jeu et 13 secondes sur le chronomètre dit-il. On regarde. Hop. Sortie de ballon. Les arbitres ne sont pas sûrs, quoique l'arbitre a fait la direction. Il demande l'utilisation de la vidéo. Regardez que l'arbitre va à la droite, il va se rendre compte. Regardez-le. Donc il va se rendre compte, hop. Il ne pourra jamais prendre la décision. Il doit consulter avec le Khrouchtchev avant. Regardez ce qu'il va faire. Hop, alors, il appelle un collègue. Alors, qui connaît la vidéo, parce qu'il recadre, il dit la ralenti, etc., pour l'arrêter aussi. Voilà, donc ils sont à deux, sont en train de discuter et de voir. Qui est le responsable du sortie du ballon? On a discuté entre eux, entre les arbitres. Il y a uniquement celui qui fait la vidéo. Il n'y a aucune personne à mettre comme but d'un homme.
Donc, il est en train de voir la vidéo plusieurs fois, pour ne pas pénaliser. Là, il y a vraiment une ou l'autre équipe. Le temps est crucial, le score est crucial. Dans ce cas, il attend une bonne décision. La décision, elle est faite uniquement pour les deux dernières minutes. La situation n'est pas applicable avant les deux dernières minutes de la fin de la rencontre. Il y a une prolongation qui ne peut pas être applicable. C'est le cadre. OK, les jeunes. S'il y a sorti de ballon le premier carton, c'est une situation entre deux matchs. Donc, Khorjo, il va communiquer. Tout le monde va voir. Hop. Voilà. Pour moi, ils ont raison. Ils ont vraiment vu bien c'est le cadre chef ou l'action. Ils ont raison. On va la revoir encore une dernière fois. Chalet, Filiade et Fada. Donc, nos arbitres internationaux, Inch'Allah, des Jeux Olympiques ou le championnat du monde qui va gagner le Jmani, Galo Al-Asfiane, ou les autres aussi, Najat, Iman, ou Smouadlan, le Mohen, c'est Chaïeb aussi. Donc, si vous êtes Kourouchev, faites attention. Donc, on a regardé le score 75-73, 13 secondes sur le chronomètre du jeu. وشوفوا بركة على كل حال رقردي معايا بركة ورقرد هنا رستي معايا كونسنتر سود لا تابل دو ماركة ستوب شحرة الله بادو شو شحال راه الطون هنا 3 سكوند 23 سكوند اوكي Alors là, l'opérateur de tir n'a rien d'invisible. Fleur ou la kshtou. Il a 13 secondes, 23, c'est 24 secondes pour lui, il a hâte la balle. Donc, il a fait la connerie, ne jamais toucher le chronomètre de tir, peut-être vers la décision. Donc, ils discutent, donc normal, ils prennent tout leur temps surtout pour ne pas vraiment faire une erreur. Parce qu'avec ici, avec la vidéo, ils ont dit l'erreur, comme ça se passe le football, le VAR, vraiment grave. Voilà. Très bien. Donc, on va avancer. Dans ce cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes, c'est-à-dire que les cadres qu'on a vus, ils s'appliquent uniquement
Les deux dernières minutes. Très bien. Donc, maintenant, la mécanique de l'arbitrage à trois, le protocole. Comme vous savez, avec la FIBA, actuellement, toute chose, c'est-à-dire un enchaînement, on doit suivre un protocole. On a donné l'exemple de la faute antisportive, c'est-à-dire qu'avant de la siffler, d'abord, il faut un protocole. Siffler quelque chose, OK, réfléchissez. Donc, faute antisportive. Jamais t'as directement faute antisportive. Il y a un protocole. Top, top. OK. La même chose, lorsqu'il y a les deux dernières minutes, il y a un protocole qu'on doit suivre. Tomor, demandé par une équipe ou l'autre. Donc, le protocole à suivre lors des dernières minutes, pris par l'une des équipes. Dans ce cas-là, les arbitres, ils doivent suivre un protocole qui doit être maîtrisé. Quand le protocole est là, les arbitres ont trois positions standards pendant le tomor. Toujours, bien sûr, du côté de la table opposée de la table de marque. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un tomor, je vous le clique sur le côté droit. Les arbitres peuvent rester du côté gauche de la table de marque, comme ils peuvent rester du côté droit, comme ils peuvent rester face à la table. Mais le plus important, c'est que c'est au côté opposé et non pas près de la table de marque. C'est-à-dire qu'ils surveillent aussi les bancs. Alors, ils peuvent sélectionner l'une des trois, comme je l'ai dit. Mais sinon, tout dépend de la position appropriée qu'ils choisissent. Supposons la remise en jeu à Hatindarehna, il est préférable de rester là. Alors, pour ne pas imaginer la balle à la remise en jeu d'Inderehna, donc tout ça, c'est une perte de temps. Donc, on reste là, c'est logique. Si c'est la remise en jeu à l'immédiat, donc on doit rester là. OK, si c'est du côté, côté le moins, c'est aux arbitres de prendre des positions appropriées. Ou merci beaucoup, chef, la sortie de balle. Donc, à Nancy, ils doivent rester ensemble et discuter et surveiller les bandes d'équipe. À les jeunes. Alors, pendant le temps mort, le ballon doit rester entre les mains du crew chief. Ou alors il doit rester dans les mains du crew chief parce que les autres tombent en point de vue IOT ou la technique ou la mécanique, c'est-à-dire qu'on doit laisser la balle dans l'endroit où on a la remise en jeu. Je vais retoucher. Et là, par contre, les deux dernières minutes, surtout la balle dans la zone arrière, on parle de la zone arrière aussi. L'arbitre doit garder la balle parce qu'on n'en sait pas encore le choix de cet arbitre. Est-ce qu'il va faire la remise en jeu dans la zone arrière ou dans la zone avant? Le cas avec le ballon de l'arbitre, uniquement dans la zone arrière les deux dernières minutes. C'est-à-dire que l'entraîneur peut choisir ou bien de faire sa remise en jeu, comme on l'a vu tout à l'heure, soit en zone avant ou en zone arrière. Dans ce cas, on a la balle qui est de l'arbitre. OK. Est-ce que l'arbitre est là? Il a le crew chief. L'arbitre doit rester chez le crew chef, mais chez celui qui a sifflé la violation de la faute ou la sortie de balle. La balle revient au crew chef. Parce qu'à les deux dernières minutes, s'il y a une remise en jeu, non, initialement, la zone arrière, où l'entraîneur a le choix de faire sa remise en jeu, de la maintenir, la zone arrière, ou bien la transférer, la zone avant, l'arbitre, le crew chef, doit garder le ballon chez lui. Parce que ça veut dire que le choix de la remise en jeu n'est pas encore identifié. Alors, je dis le crew chief, lorsqu'il reste 20 secondes de temps mort, okay, le crew chief est l'un des deux autres entraîneurs, les deux arbitres, se déplace à proximité de la zone de bande d'équipe. Alors, on a trois, donc je vais vous donner l'illustration. Le crew chief plus un des autres arbitres, donc il se déplace vers le banc d'équipe. Mais le crew chief ira à l'équipe qui a droit à la possession du ballon. Supposons l'équipe a la possession, donc le crew chief ira, ou dame le banc à l'équipe, il a la remise en jeu, indique ses collègues, il va rester sur l'autre côté de l'équipe B. Le plus important, à 20 secondes de la fin du chronomètre, deux arbitres doivent se déplacer. L'un, obligatoire, c'est le crew chief, il va se déplacer, il va se mettre devant l'équipe qui va faire la remise en jeu, donc je vois la technique, et un de ses collègues, il doit se placer de l'autre côté de la table, l'autre équipe. Alors, donc, on va faire la simulation, l'illustration, la même chose, c'est-à-dire qu'il y en a, lorsqu'il reste 20 secondes de temps mort, le crew chief et l'un des deux autres arbitres, on se déplace à proximité de la zone de l'équipe, le crew chief ira à l'équipe qui a droit à la possession. Alors, on commence par le crew chief. Supposons, on a donné l'exemple, l'équipe A a droit à la possession. Alors, la zone arrière, donc la zone avant, le moyen. Donc, elle va demander, il y a la remise en jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Le crew chief,
qui va se déplacer du côté du banc de l'équipe qui va faire la remise en jeu. Le Kahana, c'est bien sûr l'équipe A. Un de ces arbitres, c'est l'Empire 2, qui va se déplacer vers l'équipe, l'autre équipe. OK, c'est-à-dire que le plus important, il est là. Si c'est l'équipe visiteur, il a dit la remise en jeu, par exemple, dans ce cas, le Khrouchif, il va se déplacer le côté A, un peu Arthur va placer l'autre côté. Donc, le plus important, ils sont trois, c'est-à-dire que les arbitres, ils ont pris la décision, ils sont face à la table de marque. Dans ce cas, le Khrouchif, j'ai donné l'exemple, l'équipe a droit à la possession. Le Khrouchif, il se déplace vers l'équipe qui va faire droit à la possession, c'est l'équipe A, c'est l'équipe recevante. L'autre arbitre, soit Empire 2 ou bien Empire 1, voit qu'il va se déplacer vers l'équipe, l'autre banc d'équipe. Donc, il y a le protocole qu'il doit suivre. Voilà. Donc, je vois. Tout simplement, alors, on va de l'ordre, les gens, parce que le crochet, il va demander à cet entraîneur où il est la remise en jeu. Non, la zone arrière, en supposant la zone arrière, OK. Ou bien là, il va la mettre la zone avant. Alors, la règle a dit toujours, à 50 secondes, des secondes ralentis, avec à 10 secondes de la fin, il y a un signal chronomètre. Il signale la fin du chronomètre, 0 10 secondes. Et là, les arbitres automatiquement, je connais les arbitres, le crew-chief et l'autre arbitre, de demander pour accélérer la reprise en jeu. Donc, lorsqu'il signe à 50 secondes, ralenti, les arbitres activeront les équipes pour qu'elles reviennent sur le terrain de jeu. Donc, je vous le tableau, il y en a une 38 secondes, 4 secondes, 4 10 secondes sur le shoot clock. OK, sur le chronomètre d'été, 4 10 secondes. Il y a le crew chef et l'un de ses coéquipiers à la flotte de bande d'équipe, il doit demander à ses équipes d'accélérer pour reprendre le jeu. Il y a le crew chef demandera à l'entraîneur de décider si la remise en jeu restera en zone arrière ou en zone haut, elle passera en zone avant. À la fin du temps mort, le crew chief va demander à l'entraîneur, c'est l'équipe qui ouvre droit à la remise en jeu, va leur demander est-ce que la remise en jeu tiendra la zone avant ou la zone arrière. Donc le crew chief confirmera verbalement la décision avec l'entraîneur. OK, il y a, suppose l'entraîneur gagne la zone arrière. Le crew chief figure la zone arrière, ce qui doit exister. Par exemple, la remise en jeu en zone avant, la zone arrière. Mais si le crew chief, l'entraîneur, la zone avant, tu dois confirmer verbalement. OK, tu dois être sûr. Zone avant, remise en jeu. OK. La zone avant, remise en jeu. L'entraîneur aussi, il se met à public. Tu as bien reçu l'information que la remise en jeu va se faire la zone avant. Là, le crew chief, dans ce cas, il dit la remise en jeu automatiquement, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Montrera un geste de la main à l'endroit de la remise en jeu et se déplaçant vers cet endroit pour la remise en jeu. OK. Le soutien verbal, ceci accompagnera le geste. Donc, l'arbitre, donc les 2 dernières minutes, OK, je dis la remise en jeu, c'est le crew-chef. OK, c'est-à-dire qu'il y a le cas là, où là, il va joindre verbalement le geste, en zone avant ou en zone arrière. Il va joindre la parole, il va se déplacer carrément de la zone indique de la remise en jeu. Si c'est en zone avant, si c'est en zone arrière, parce que tout le monde saura que la remise, que l'entraîneur a pris la décision de faire sa remise en jeu, le point où il a choisi, ou la zone avant ou la zone arrière. Geste et parole. Ou le crew chief même, il va identifier que tous les joueurs ont compris que la remise en jeu est dans l'endroit là où a été choisi par l'entraîneur. OK. Dans ce cas, aussi, le crew chief administrera normalement la remise en jeu, les deux autres équipes, pardon, les deux autres arbitres, ajustant leur position en conséquence. Donc, c'est lui qui va se placer en tant qu'arbitre de tête, celui qui va se placer en tant que centre. Mais la remise en jeu, il dira le crew chief. Voilà les gens, comme le toujours. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les arbitres doivent s'assurer que le chronomètre des tirs est correctement réglé, c'est-à-dire qu'il soit réinitialisé ou bien le même temps affiché avant la remise en jeu. Supposons sortie de ballon, OK, sortie de ballon, la zone arrière, mais 20 secondes, les jeunes. Remise en jeu, la zone arrière, dans ce cas, on doit savoir est-ce que le temps est maintenu. Si c'est la zone avant, est-ce que le temps a été réinitialisé à 14 secondes. Dans ce cas, avant de remettre la balle au joueur là-bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout moment, on doit flasher, que ce soit le chronomètre des tirs
ou bien le chronomètre du jeu. Dans ce cas, le protocole HANA, il doit être suivi par les arbitres. Et aussi, il peut être appliqué sur l'arbitrage à deux dans le sens où le crew chief, entre parenthèses, qu'on dit le premier arbitre, il va se déplacer, le bandit qui est plié, a dit la remise en jeu, et discute avec l'entraîneur, et c'est à lui de faire la remise en jeu. Donc, on peut adapter le protocole HANA, OK, sur l'arbitrage aussi à deux. Bon. Concernant pour se déplacer les 20 secondes donc à la fin, ça va être difficile. Au moins, un arbitre est face aux deux équipes. Mais vers la fin du chronomètre, à la fin du temps mort, là, le crew chief, il dit mal le ballon. Il va se déplacer l'arbitre, l'entraîneur, l'équipe qui ouvre le droit à la possession pour discuter, pour qu'il aura l'information. Oui, il a dit l'entraîneur, la remise en jeu, que ce soit en zone avant ou en zone arrière. Il doit aussi confirmer mal verbalement lorsqu'il y a la décision prise. Donc, il doit faire le geste à la remise en jeu. Avec la parole, il va se déplacer au point où il a la remise en jeu. Et merci les gens, nous barakallahu fikoum. Dans ce cas, voilà, on a relaté tout ce qui se fait les deux dernières minutes à dos. OK, dans ce cas, donc, on doit être concentré et vigilant à l'application de ces règles parce qu'elles sont importantes. Si par malheur, gagne le match, comme on l'a vu tout à l'heure, un point, deux points, et on prend une mauvaise décision, là, c'est-à-dire que vraiment, une équipe. Moi, je me rappelais bien une finale, je ne vais pas citer la finale des Bushmen, les arbitres canadiens, des arbitres, où il y a eu erreur rectifiable, à titre d'exemple. Là, vers la fin, ballon quintal de l'équipe A, ils ont fait erreur rectifiable, à temps de lancer à la hauteur le rebond. Or que la balle doit revenir à Adam Ganet. J'étais vraiment étonné, même quand il y a des arbitres qui ont été pris face à l'Arja, nous, quand on a eu la balle de l'équipe A, le match est un point. Moi, je vais citer le match. Stawali, voilà. Donc, merci les gens. Donc, s'il y a des interventions ou là, quelqu'un veut ajouter des choses, marhaba bikoum. Hagna, on termine la séance, inshallah. Et merci pour votre attention. Barakallahu fikoum. C'est déjà pour l'enchant, Bilma. Aïe, les jeunes. Merci, M. Lotis. Merci. Bon, s'il n'y a rien, les jeunes, dans ce cas, Haddad je vous dis merci. Haddad Amar. Aïe, Amar, Haddad. Merci, Aïssam, Bistrak. حدد ماشي سمعوك شعل الميكرو اي سير بيش عندنا الميكرو لي مش كان بصح صون ما كاش هيا عمر شعل الميكرو اكتيف طون ميكرو هكذا تسمع انا سمعك تفضل داكور كمل بون او كور دو ماتش يعني في سوا برومي كارتون دوزيام ماشي لي دو ديرنيير مينوت هذا على الماتش يا عمار ما خليش بوزي لا كاستيون اون بارل يونيكمون دي باش ما نخرجوش من السوجي لا نهضر على التومر على بال نهضر على التومر ما نريبونديلكش نريحو في السوجي تاعنا باش ما كلش دوطر كاستيون نخرجو انا في ان سوجي سبيسيال جو مانتيان لي دو دينيير مينوت هكذا خلاص ثم بعد كي تخلص لونجسترمون تاع لا فيديو اون بي ديسكوتي انا وياك باسكو حبينا لا فيديو طرا في الكادر هذا اسمح لي عمار ما كاش مشكل صح نجد السلام عليكم اهلا نجد عليكم السلام عليكم لاباس والله غير الحمد لله بغيت جوست اجوتي ان بوين très bien هذيك lors des deux dernières minutes si l'arbitre oublie de faire le geste d'avertissement très bien تما ينجم il peut pas après c'est-à-dire il met de la faute technique, alors il refait la remise. Il dit le geste et il refait la remise. Dernièrement, les interprétations de 1er janvier. Très bien. C'est-à-dire qu'Anna, j'ai dit, c'est juste c'est qu'il ne peut pas donner faute technique. Pour le moment, la remise en gender. Ok, c'est-à-dire que parce que sinon, donc s'il n'y a pas d'incidence, parce qu'Anna. Non, si le basket, on parle d'avantages, désavantages. Si il y a une remise en jeu, il y a un joueur ou deux. Là, le mohème.
Merci pour le point de Nadjat. Dans ce cas, comme on a bien dit Nadjat, c'est-à-dire que si sur place, il fait carbrique Madjat, le geste, il peut le faire dans la remise en jeu. Mais si par le rate la remise en jeu, ou ça, donc il ne peut pas donner une faute technique. La seule chose qu'il peut faire, s'il n'y a pas un match chronodeb, c'est-à-dire que même Chach, il a besoin d'attention. Hein? Machine, la remise en jeu, sur 30 secondes, là, on dit la remise en jeu. OK. Maintenant, si après avoir donné la balle, ou il fait carbrique, il a omis de faire le geste, il peut la remise en jeu. Même il a joué sur le terrain, il peut le siffler et faire la remise en jeu. Merci, Najat. D'accord, merci. ونتمنى الشفاء العاجل لسهيلة. رضا إيه بقى انا الله بقى ما يكثر بناش العين، ربي ربي يشفيك يشفي اختي مع سهيلة، السلامة. الناس على بالنا ومشي اختار وكريمي اللي فريمون مرض هذاك ما نساوش ثانيك ندعو له بالشفاء ربي يشفيه ان شاء الله. إن شاء دونك الله اوسي ربي ندعو يكرمك. بالشفاء اختنا سهيلة ربي يشفيها ان شاء الله. آمين صحة ميرسي. ميرسي بور لانفو، ميرسي اختي. مسيو محمودي، السلام عليكم. السلام خويا حمد. الحاج مو جو لي جوست سافوار في الجول تاندينغ في دونك في الانترفونسيون ايليغال و لي ار اس، انت قلت كي صفر لاربيتر اي بو الي ريغاردي لا فيديو. Est-ce que c'est sur contestation le manager, parce que le manager a contesté le goaltending, donc l'arbitre est obligé d'aller voir la vidéo, ou le lazm parce que Wahab Bichouf, C'est c'est un son peu. jugement. C'est son jugement. Il n'est pas sûr à 100%. Il peut aller voir. S'il y a contestation aussi, il peut aller voir. Moi, je sais les arbitres, il peut aller voir. Mais le plus important, il doit siffler le goaltending. S'il ne siffle pas, il n'y a pas de vidéo. Moi, Okay. personnellement, si je si je C'est-à-dire que siffle. c'est à l'aise parce que le goaltending Hamid, c'est millimétré. Hein? C'est vraiment millimétré. Tu as compris? C'est pour ça que le goaltending à la Goula, en dehors des 2 dernières minutes, mais t'appliques. La condition que l'arbitre doit siffler le goaltending. S'il ne siffle pas, 2 minutes après, non, non, il doit d'abord siffler. S'il a un doute, s'il a un doute, Et avec la faute anti-sportive, Albert, s'il a un doute, ça fera anti-sportif ou belle machine de faute anti-sportive. Donc, il peut aller voir, soit il habite, ou il est là, ou il est les mêmes fautes techniques, c'est la réglementation. C'est-à-dire que s'il a un doute, bien les arbitres, ils peuvent aller voir la vidéo, soit de requalifier la faute personnelle en tant que faute anti-sportive, ou bien de la requalifier aussi en tant que faute disqualifiante aussi, si c'est possible, ou bien l'inverse, ils vont la dégrader, une faute anti-sportive, une faute personnelle. Non, c'est le chef, c'est à lui de juger. OK. Et lui juger, c'est nécessaire d'aller voir la vidéo. Parce qu'à on a les 2 dernières minutes, je mets dans le moteur. Neuf les sorties de balle, par exemple. On a vu la vidéo, le temps chacun, mais la sortie de balle, comme on l'a dit, elle ne peut pas être appliquée sur les autres, sur le premier carton, sur le deuxième carton. Gagner un désaccord, automatiquement, c'est une situation de notre vie. Maintenant, ils peuvent demander d'étudier l'usage de la vidéo. Bah, là, pour l'usage de la vidéo, ce n'est pas possible. Mais attention, l'usage de la vidéo, avec, entre parenthèses, ça doit être approuvé d'abord par le Khrouchtchev. من الاول ماشي بوندون الماتش كان واحد لي كاميرا نشوف لا كاميرا لا لا دو تروفي عند ليكيب عند لي كونديسيون عند الكرافي با فريمون كونديسيوني نمبر دو كاميرا البلاسمون دي كاميرا تو سكي سون سوي ومي كونو كان ايترونجي تما مع السول اوبيراتور ما يكون زعما حتى واحد يفا فيريفي اوكي مي سي نابروف با لا في لو كروشي دير ديبار لا فيديو خلاص ما كاش لا فيديو ماشي كلكان ولا قال لير تي راهي تفيلمي استنى كان بتلفزيون الماتش نشوفو في التلفزيون ريبيتيسيون نو La vidéo doit être approuvée dès le départ par l'arbitre. Si elle n'est pas approuvée, me cache la vidéo. Merci, Hadji. Barakallah. Chokran. Tahmi. مساء الخير عليكم، كل عام وانتم بخير. اولا نشكرك مسيو حموتان على تقديم المحاضرات اللي فريمون توجور في المستوى. اذا سمح لي مسيو حموتان عندي اضافه. تفضلي تفضلي سيرك جاتون اتونسيون بالكي حنا من داك اللي نساو بنادم يسمو انسان علاش ينسى تفضلي الله يسلمك. جاتون فيدباك ما عندكمش لاطون بزاف حبيت نسمع لكم بزاف تفضلي الله يسلمك. حبيت برك اضافه على نعاود نولي للنقطه تاع التومور والغومبلاسمون. كيما وتفضلي وي كي قلت لنا سي لو ميم برانسيب، انا بالك سي فغي فيه لو ميم برانسيب باسكو Pour le temps mort et le remplacement, il y a 3 conditions pour. Donc, je m'adresse beaucoup plus les OTM, les gérer les.
Donc, par rapport au temps mort et remplacement, il faut faire différence entre le temps mort, surtout les deux dernières, la troisième condition, les deux dernières minutes. Donc, pour le temps mort, mais c'est uniquement dans les deux dernières minutes. Le temps mort, nous allons demander ouais, pendant toute la rencontre, qui connaît l'équipe adverse, il est marqué avec le panier. On est d'accord, M. Hamoutan. Par contre, le remplacement, c'est pas. هاي داير ماني شغال با par contre non les lazem برك ينتبهوا لها les autres team في le remplacement c'est pas pareil ماشي pendant tout le match في le panier qui te marque à l'adversaire les demande les marque عليه le panier les demander le remplacement donc uniquement في les deux dernières minutes c'est ça la différence entre l'occasion تاع temps mort ou تاع remplacement donc pour le temps mort نعاود c'est pendant toute la rencontre وين كي تمارك على ليكيب لي دوموندي عنده الحق في الطومور باغ كونت في الرومبلاسمون لا uniquement في لي دو ديرنيير مينوت كي تمارك عليها اللي عنده الطومور دونك هادي باش نديرو الفرق بين الطومور والرومبلاسمون 10 على 10 مالناش حنا انا باليك مو دي دو ديرنيير طومور لي دو ديرنيير مينوت سي تمحبش نهضر بزاف حوايج سينو ندخلو بزاف في لي ديتاي واش تم السوجي On peut donner uniquement le temps, mais pas le changement. Mais les deux dernières minutes, on peut donner le temps et le changement. On y va, c'est des clés qui sont allées deux minutes. Merci quand même pour la porte. Non, non, parce que les autres, il y a un qui fait qui est le même principe. Moi, j'ai dit c'est le même principe. Moi, j'ai dit le principe les deux dernières minutes. Ah, d'accord, parce que les conditions se changent. Voilà, entre deux minutes. Merci, merci. Barak à la situation de Hadak. Tinjim Taout, partagez la situation de. تاعش السيتياسيون دو تاع في الشوت وين يروحوا ل لا ار اس ارجع دوك نعاود نحكي فوالا يعطيك الصحه مسي حمو ثاني بون كونتينياسيون ان شاء الله ربي يحفظك شكرا ايوه هادي سفيان ما بارطاجيتش كمان او حسن اكزاكتومون جي با بارطاجي هادي سفيان وي Vas-y, Sven, si tu as quelque chose à ajouter, Zida, t'fadal. Alors, le troisième point, c'est l'akhar. Et encore, dans les mains du tireur. Hana, qui je fais la faute, Hana, qui je fais la faute. C'est qui fait la faute, Hana? C'est le joueur loin de l'action du tir. Non, mais c'est le joueur blanc. C'est le. C'est voilà, c'est-à-dire que c'est le faute offensive, faute offensive. Voilà. C'est important de savoir où il y a un ballon. Parce que, voilà, donc, on t'a qui chute à Hada, le quand même, c'est le fido. عندهم لي فوت ديكيب سي اون فوت اوفنسيف ما تحسبش ولا عندهم لي فوت ديكيب ما يشوتيوش ولا كان بالون في السماء ما دخلش لداخل وكانت لا فوت اوفنسيف صدونا شوتي منها يروحوا يشوتيو ولا كانت لا فوت بالون دخل باني وما كاش دخل باني سي ان باني باني a dit que supposons que c'est la faute à le blanc. C'est, ouais. C'est une faute offensive. Hein. Là, on doit voir, oui, qu'il y a le ballon. OK. Ouais. Supposons que le cas, là, la balle kharjit. Donc, la balle, elle est en l'air. Réglementairement, que la balle est en l'air, elle appartient à personne. Si la balle pénètre, accordez plus faute de l'attaquant. OK. Ouais. Si la balle rate l'anneau, OK. Automatiquement, la balle a perdu 1%. Si ils sont en infraction de faute d'équipe 4 et plus,
5 et plus, pardon, c'est deux lancers pour les rouges. Merci pour la, voilà, pour la Josephine. Merci. Voilà, dans ce cas, s'il n'y a rien, Sophie, je ne sais pas très bien, mais sans danger, avec l'arbitrage à 3 ou l'arbitrage à 2. Entre parenthèses, Smarani n'hésite pas, c'est dit comme l'ambiguïté de l'arbitrage à 2 ou l'ambiguïté de l'arbitrage à 3. C'est vrai, là, quelque part, on a besoin de l'ambiguïté de l'arbitrage à 2 parce qu'on dit l'arbitrage à 2. كمل مازال كاين عصام حبي يهضر اه وي ما جي با فيو عصام تفضل خويا عصام بهلول هاي الناس باتنا تفضلوا على بالي راه الثلج راه كاتلكم الثلج كمالك عاود عاود عصام عصام عاود تي في كمالك روس ج بو ريمارسي بوكو خويا لي زيفور ولا الشيء اللي راك دير فيه بارك الله فيك دو فون دو كور وربي يعطيك صحتك ويقويك كونسيرنون فوتون تي سبورتيف au moment de la remise en jeu. Mais la possession de la balle, tu as le joueur qui va effectuer la remise en jeu ou la passe jusqu'à la réception où tu as la balle sur le terrain. Ou là, ça se défère. On peut la siffler faute anti-sportif avant de la toucher ou la, avant de la remise de la balle derrière le terrain. C'est la question. Très bien. Les deux dernières minutes, le Kirital 5, il y a deux conditions. La balle qu'on a à l'extérieur du terrain, ce n'est même pas le terrain. Soit, que ce soit, elle est en position de l'arbitre, mais elle va de l'arbitre, ou bien. La balle, elle est à la disposition de celui qui va faire la remise en jeu. C'est-à-dire que Mazel met la remise en jeu, le ballon rafide. Agréable, les jeunes. Oui. Le ballon rafide. S'il y a contact sur le terrain, en direction de la passe du jeu, c'est une faute antisportive. C'est-à-dire qu'on applique le critère 5. Mais si la balle est de leur joueur, s'il y a un contact simple, c'est un contact de l'homme. Mais s'il y a un contact voilà. Avec une certaine rudesse, automatiquement, il y a d'autres critères, c'est le critère 2, etc. OK. Donc ma hadrach ala la faute est une loin du ballon hein. OK les jeunes loin du ballon même la balle kharjet. Elle est plutôt loin de l'action si tu n'entends pas. Je vois les interprétations parce que c'est immense. Hna yhmna le cas hada ta les dernières minutes où pour appliquer l'antisportif avec un contact simple la balle doit être chez l'arbitre, c'est loin tahiyatna. Chez l'arbitre ou bien elle est à la disposition du joueur qui va faire la remise en jeu. C'est-à-dire que la balle, mais elle est à l'extérieur du terrain. Rochons les interprétations. Il y a plusieurs cas où c'est une faute. OK, tel que l'attaquant il dit la faute sur un joueur défensif, mais il n'y a aucune d'achetamana. Ou bien la faute, la balle, juste mis le joueur. Supposons, la passe est vers le côté panier, la faute est vers l'autre côté. C'est une faute anti-sportive. La balle du ballon, mais la faute, l'esprit du joueur. Ce n'est pas pour qu'on le mette, on ne démarre pas. Donc, l'attention des jeunes, on trouve les détails. Allez-y voir les interprétations. Il y a beaucoup de choses qui sont citées dans le cas avant. Nous avons le cas des deux dernières minutes où la balle elle est à la disposition du joueur. OK. Ou bien, elle est toujours chez l'arbitre. Et qu'un contact sur le terrain d'un, c'est une faute antisportive. Voilà. Merci Kamal. اخويا انت راه بالبونيه واش ترجع عندكم تما فتموش انت خويا على فعل اربعه ولا كيفاه هاك خملعتني على ذلك سي سعدي تحياتنا dans ce cas comme je l'ai dit tout à l'heure en attendant les questions dans ce cas les jeunes on va faire une partie comme un sondage vous sélectionnez soit on va faire l'arbitrage à 2 ou l'arbitrage à 3 comme je l'ai dit c'est vrai on a besoin plus l'arbitrage mais je vais influencer la décision hein.
on habitera deux dans ce cas, on est obligé de revoir la mécanique. Si vous voulez qu'on entame l'arbitrage à trois, parce qu'il y a un autre sujet, c'est-à-dire que moi, je vais préparer comme Hadi ou Hadi, c'est à vous de voir. Si je ne suis pas là avec ma tête, je suis dit que 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 je Donc, on se revoit, Inch'Allah, vendredi prochain, Htimel Kbir, il y a une intervention d'un étranger. J'ai vu, Htimel Kbir, il y a un instructeur FIBA. Je l'espère, sinon, c'est toujours moi. Dans ce cas, je vous remercie. Barakallahu fikoum. Choukran, ça m'a fait plaisir qu'il chauffe le nombre là, que les gens soient intéressés. Rana Khawa. On est obligé d'être ensemble, les jeunes. Et je répète encore une fois, ne négligez pas la préparation physique. Comment la mise en forme, Jamaa. Comme je l'ai dit, Mahbish Koul est toujours le maillon faible de la fédération, de l'arbitrage. À tout moment, la compétition va reprendre, on doit être prêt. On va faire le test physique pour les Zouma. Ok, les jeunes. Donc, au moins d'être prêt, on va faire sincèrement parce qu'il y a un petit peu de temps, incessamment pour le démarrage. Ok, dans ce cas, pour ne pas être en retard sur la préparation. Qui va se dire que c'est la première séance, qu'elle est-ce qu'il dit la marche, qu'elle s'est entraînée. Ils sont toujours sérieux. J'espère que le sérieux avec Mel. Ok, et je vous dis merci, Jamaa. Rabbi Hafoukoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.